Bonjour à tous, aujourd'hui je me trouve dans le département de la Haute-Garonne, dans une des 586 communes de ce très beau département, à Boutz et plus précisément à la station de ski du Mourtis dans le pays de Comminges. Alors je vais vous proposer une randonnée assez modérée, 8 km, 400 mètres de dénivelé, pour 3 heures de marche environ, donc ne négligez pas la faible distance parce qu'il y a quand même du dénivelé. Et on va aller au Tuc de l'étang, voilà, admirer un superbe panorama à 360 degrés. Allez, pour commencer cette randonnée, on va monter en haut de la station, en grand parking. Et puis voilà, après on va emprunter les pistes de ski. En deuxième partie, ce sera du balisage jaune. Mais bon, tout ça, je vous en informerai au moment venu. Allez, après environ un peu plus de 2 km et 400 mètres de dénivelé, on arrive à la fin du télésiège du Tuc de Pan. Et là, voilà, déjà quand on est arrivé, vous avez pu voir des super panoramas. Et là, ben voilà, ça continue, on a un 360 degrés exceptionnel. Et en plus, ce qui est génial ici, c'est qu'on voit le pic du Midi. Donc voilà, la station météo, on la voit bien, on peut bien la distinguer. Et puis ben, derrière moi, quelques sommets comme le pic Cagir, qui est vraiment le sommet du coin. On a le pic de l'Escalette, là-bas le pic Saillant, le pic Gare. Enfin voilà, on a... Il y a de quoi se régaler et prendre de merveilleuses photos. Allez, je vous laisse avec ce magnifique panorama et puis ben, on va continuer en direction du Tuc de l'Étang. Et voilà, une dizaine de mètres hein, de ce télésiège du Tuc de Pan, on arrive au Tuc de l'Étang et ce merveilleux panorama. Il faut savoir hein, qu'on récupère au niveau du télésiège, on récupère le balisage jaune. Donc c'est fini pour le hors-sentier. Ce balisage sera jusqu'à la fin de cette randonnée à la station de ski du Mourtis. Après un kilomètre de descente, on arrive à cette intersection et puis ben, on va prendre le balisage jaune hein, qui tourne à droite en direction de la station de ski. Et nous voici sortis de la forêt, par conséquent de retour au bas du télésiège du Tuc de Pan. Et donc ben, il va nous falloir retourner en bas de la station de ski du Mourtis pour vraiment finir cette randonnée. Mais moi c'est ici que je vous laisse. J'espère que vous êtes régalés sur cet itinéraire vraiment sympa et que vous retrouverez sur les escapades de Mika. Moi je vous dis à très très vite sur de nouvelles randonnées. Bye bye.